Bonjour tout le monde, c'est Ryo, on se retrouve pour le 39e épisode sur ISS Pro Evolution 2. Donc dans l'épisode précédent, on a gagné 2-1 je crois contre qui j'ai gagné 2-1. Je ne sais plus, contre la Roma. Et ensuite j'ai fait un match très décevant contre Monaco, je fais une quinzaine de frappes, il mène 1-0 et j'égalise la toute dernière action. Malheureusement pour moi, mais le principal c'est de ne pas avoir perdu, mais la Juve est repassée devant moi. Et on enchaîne avec le prochain match qui est le dernier de la phase aller. C'est dommage de repasser derrière la Juve à la fin de la phase aller. Du moins je crois que c'est le dernier match aller. Oui. Overmars va sortir, je vais laisser Beckham à sa place. Et on joue contre Chelsea. Et donc on va essayer de gagner. Attention, c'est l'engagement. Sur la partie droite du terrain, Chelsea. Et sur la partie gauche, Buenos Aires. De Saïd. Bonne interception. Deschamps. Poyet. Qui dribble Cafu. André Flo, Baba Yaro. Il sent. Ça dégage loin devant Vervieri qui donne à Ronaldo. Oh dommage, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Et il a tendance à s'engager un peu trop tôt Gérard. La défense est bien remontée. Bref, sur ce coup-là. Quand même. Oh, une, deux. Là, il n'y a rien. Faut que je les marque ces occasions-là. C'est bien défendu. Le bœuf. Ça parlait quand même pas le français de Chelsea à cette époque-là, parce qu'il y avait le bœuf, De Sailly, Deschamps. Zenden qui déborde sur le côté gauche. Dribble. C'est bien joué, très il conserve bon la balle. Retour de Deschamps. Petit Zidane. Ou un dégagement musclé. Petit, non, Poyet intervient. Retour André Flo, Cafu, Zidane, Ronaldo, Vieri. Oh, une, deux. Talonnade de Vieri vers Ronaldo, mais c'est intercepté par la défense. C'est logique. Beckham vers Ronaldo. Le centre contré par Baba Yaro. Zola. De Sailly. Contré par Emmanuel Petit. Et but de Vieri. Très belle passe de Petit. Très lucide. 20 minutes de jeu. Feller qui déborde sur le côté. Oh, c'est bien vu. Ça dégage loin devant Vervieri, De Sailly, Poyet, Zidane, avec Ronaldo. Très mauvaise talonnade de Zidane. Excellent pressing de la défense. Beckham allonge loin devant Vervieri qui redonne à Ronaldo en profondeur. Ronaldo la frappe et ce n'est pas cadré. Et c'est une sortie de but. Oh, le public a bien cru qu'il y avait but. Hop, trop court Ronaldo pour cette déviation de la tête. De Sailly qui est bien intervenu, passe à Viseux.
Ferdinand qui intervient bien. Ça écarte, ça change de côté. Baba Yaro qui intercepte devant Beckham. Attention. Vieille la tête vers Ronaldo. Il essaye d'être plus rapide. Le gardien dégage loin devant. De Saïd devant Zidane. Cafu, Ronaldo. Oh, un beau tacle défensif. Qui intervient bien. La défense joue physique, Gérard. Oui, il presse bien le porteur il du dégage, ballon. Ça va aller en touche, probablement. Il joue la touche. Quelle passe! La reprise de Vieri, magnifique pour le 2-0 sur un très bon centre de Ronaldo. Et il reste 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Petrescu, Feller, Leboeuf qui intervient bien devant Zenden, Wiese. Oh, 1-2. Très belle passe. Wiese. Il réussit à centrer. Mauvais centre, Deschamps qui sort bien. 1-2, Zidane, Ronaldo. Et là, il est petit hors-jeu. Ouais, il est hors-jeu sans aucun doute. L'arbitre siffle la faute. De Leboeuf. Alors Gérard, d'après vous, que vont-ils faire de ce coup franc? On pourrait essayer de la passer au lieu de tirer directement. Ça va un corner, je pense. Oh, la balle est interceptée. Oui, les attaquants ne sont pas encore rentrés dans la partie. Il cherche le deuxième poteau. Ça va être la mi-temps. Fin de la première mi-temps. C'est parti. Et le coup d'envoi de la deuxième période est donné. Il n'y a personne pour l'arrêter. C'est un véritable magicien balle au pied. Hop, il est passé. Mais trop profond. Edgar de Goy récupère la balle. Relance court. Baba Yaro, Deschamps, Poyet. Tendre Flo. Zidane. On joue depuis 5 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et c'est un but! C'est un but absolument sans. Zidane qui dégage en touche. Dégage en touche. Baba Yaro. Thor André Flo. Qui lance Poyet sur la difficulté. Tête. Zola de la tête, ça va au-dessus du but. Puyol vers Vieri, loin devant. Il réussit à passer. La frappe de Zola. Quel but fantastique. Le temps André Flo qui est magnifique. Et Chelsea réduit l'écart. Poyet qui récupère bien. Thor André Flo. Petrescu. Oh, joli dribble. Il décide de centrer. Nesta dégage la tête. Zidane. Faute sans aucun doute. De Saïd sur Ronaldo. Passe de la tête. La défense est parfaitement en place. Zidane, la frappe. Et le tir. Je ne sais pas si c'était cadré. Oh, 1-2. Et il y arrive. Et il marque pour le 4-1.
petite passe en retrait de Ronaldo pour Vieri. 5-1. Bon retour de Desailly. Pour la balle 6-1, ça aurait été malvenu. Le deuxième poteau. Deschamps qui s'amuse entre Zidane et Petit. Deschamps encore. Cela, la tête. On est dans les bras de Buffon. Qui relance tout de suite vers Ronaldo. Hop, Petit vers Ronaldo. Vieri en fait l'air intervenu. Petrescu, Petit. Zola qui fait du pressing. Oui, c'est bien vu. En cloche. Nesta qui dégage malgré le. Je crois que la balle n'était pas cadrée. Ça pourrait faire mal. C'est une touche. Petrescu mis en touche. Et nous assistons à un remplacement. De Matteo. Cafu qui lance Beckham sur le côté gauche, côté droit, mais c'est intercepté par Baba Yaro. Oh, 1-2. Bon retour de Baba Yaro. Il met la balle en corner. Zidane. On va changer les joueurs, on va faire tourner un petit peu. Ronaldo, Saviola, et puis on va faire entrer Nelka à la place de Vieri. Et puis ça va être pas mal. Hop, Poyet. Deschamps. Parce que les joueurs ne vont même pas rentrer. Bon, la balle reste dans le terrain. Il est passé. Bonne sortie de Buffon. Qui rejoint devant vers Ronaldo. Il passe à l'offensive. Faute. Et c'est de un coup. Alors Gérard, que pensez-vous de ce coup franc? Il est dangereux, je crois qu'il pourrait bien tenter sa combinaison favorite. Attention! Coup franc de Zidane. Direct. Pour le 6-1. L'arbitre siffle la faute. C'est contré de Saï et là c'est la fin du match. Le coup de sifflet retentit et c'est ainsi que se termine ce match magnifique. Buenos Aires décroche. La petite victoire 6-1, ça fait plaisir. Alors Gérard, quelle est votre analyse de cette rencontre? Je crois Edgar. 4 buts de Vieri en plus, c'est pas mal. Plus le petit coup franc de Zizou pour finir. Est-ce que j'ai de quoi acheter mon milieu gauche? Non, j'ai pas de quoi acheter mon milieu gauche. Il manque quelques points pour ça. Donc, pas grave, on va enchaîner avec le prochain match. En espérant que la Juve perde, ce serait cool. Ce qui est dommage, c'est que c'est beaucoup sur les premiers matchs où j'ai fait la grosse série de victoires consécutives. Alors que. Ah, Zidane est dans le bad. On va mettre. Ah,
Ouais, c'est quand je me sentais plus à l'aise sur le jeu que j'ai commencé à faire mes matchs nuls, tout ça. La première mi-temps va commencer dans un instant. Sur la partie droite du terrain, Buenos Aires, et sur la partie gauche, Londres. Lundberg. Buffon dégage loin devant Vervieri. La balle circule. Bergkamp qui nous avait un petit peu embêté au match. Oh, 1-2. La balle est interceptée. Oui, les attaquants ne sont pas encore rentrés dans la partie. Werner Hansa, je sais pas comment il s'appelle. Ballon en hauteur. Bien revenu. Werner Hansa, Vieira, Vernarza, voilà. Lundberg, Silvinho. Quel toucher de balle. Beckham au centre pour Ronaldo à la tête. Adams. Bergkamp. Attention. Vieira qui dégage après que la balle ait été repoussée par son gardien. Silvinho loin devant vers Lundberg. Nesta. Ronaldo, Beckham, Ronaldo, Vernarza, Silvinho, Verlumberg. Passe en profondeur de Ronaldo Vervieri. Bon retour d'Adams. Petit vers par l'or. Petit face à par l'or. Et hors jeu. Ah, je crois qu'il est parti un peu trop tôt. Dommage, car il s'était bien démarqué. Nesta Vervieri face à Vieira. Oh, 1-2. Et le but de Vieri sur une passe de Ronaldo. C'est vrai que là, j'aurais presque pu marquer que Ronaldo, mais. Hop. Il passe de la tête. Vernarza est bien revenu encore une fois. Un coup franc mérité. Petite faute de Mauro Petit. Le centre. Cherche le deuxième poteau. Puyol contrôle de la tête. Enfin, dévie de la tête. Dégage de la tête. Silvinho qui remonte par l'or. Lundberg qui allonge vers Henri par l'or. Belle passe pour Bergkamp contrôlé par Nesta. Nesta qui sauve la touche qui relance proprement vers Beckham mais Lundberg intercepte contré par Cafu qui Beckham remonte la balle. Et Vernarza récupère. Hop, Puyol. Vieira. Parlor. Petite faute, faute sans de aucun doute. Ferdinand sur Parlor. Bergkamp au coup franc. Vers Thierry Henry, la déviation. Vers Adams, mais Buffon récupère. Vieira de la tête vers Ronaldo. C'est bien défendu. Tacle de Vernarza, mais Beckham a bien suivi et il n'a pas fait la passe. Lundberg, Cafu, Petit, Beckham. Il renvoie au centre. Très bon tacle de. Je ne sais plus comment il s'appelle, Kion, je crois. Lundberg qui accélère. Bergkamp, Henri, la frappe dans les bras de Buffon. Ronaldo, Zidane. Vieira.
Beckham, Kion, Puyol, loin devant, Vernarza. Belle frappe de Bergkamp contrée par Buffon. Juste à côté. Juste avant la mi-temps. Dangereuse. Blomberg au corner. C'est contré. J'ai très mal joué le contre. Je voulais faire des 1-2 pour partir, mais. Désolé pour la petite coupure, vous verrez pas grand chose, c'est juste parce que ma carte mémoire, enfin mon système d'enregistrement était plein et a fallu que je le vide. Donc on reprend tout de suite avec la deuxième mi-temps. Et le coup d'envoi de la deuxième période est donné. Donc on mène 1-0 contre Arsenal, Parlor, Vieira, Zidane, Parlor, Ver-Henri. Henri qui se débarrasse de ma défense et qui me fout le feu à la défense avant d'égaliser juste à la mi-temps, enfin juste après la mi-temps. Directement dans les pieds. Il tire. Et Slimane. Non. Il n'arrive pas à conclure. Boulet de Zenden va. Il n'y a pas hors-jeu. Kion. Mais t'as Zidane qui est tout seul à côté de toi. Et tu fais chier à donner à Ronaldo qui a 30 km. De la tête. Henri vers Bergkamp. La frappe de Bergkamp. Repoussée par Buffon. La déviation de la tête. Oh, c'est joli. Zenden. Dixon qui dévie en corner. Un corner. Ça dégage loin devant. On joue défense depuis 15 minutes en deuxième mi-temps. Un petit peu d'air. Silvinho, Parlor, Henri, bien contré par Ferdinand. Et là j'ai personne. Vieri, vers Zidane, Vernarza. Hop. Cafu, Beckham vers Ronaldo. Tire. Et le but de Ronaldo. C'est vrai que la vitesse de Ronaldo fait bien la différence. Et heureusement d'ailleurs. Et bon, le match n'est pas fini. On a vu qu'Henri était capable de faire la différence aussi. Mais non! Si c'est pour faire ça, j'aurais mieux fait de tirer tout seul. Hein. Et il y a du mouvement sur le banc. Vernarza. Nous pourrions assister à un changement très bientôt. Cafu. Belle combinaison. Vieira qui est revenu de pas grand chose. Buffon qui allonge vers Beckham. Ronaldo, non, c'est Vieira, Ljungberg, Parlor, Petit, Zenden, Zidane, Vieira, Vieri, mais c'est contré par Kion, Vernarza. Il essaie de lever le gardien. Bien, arrêté par Buffon. Kion est bien intervenu ce coup-ci. Ljungberg.
Bergkamp, Nesta qui déborde, il est tellement lent que... Ouais, pourtant ça passe, et il tente le de récupérer passé aussi, mais il passe de la tête. Dixon qui contre Zidane, et c'est la contre-attaque pour Parlor. Et Rio Ferdinand intercepte. Beckham avec Ronaldo encore une fois. Maintenant il faut attaquer. Silvio bien revenu. Frappe de Ronaldo. C'est contré, ça va en corner. Là, il sort en corner. Attention au choc aérien. Ça dégage loin devant. Passe de la tête. Joli 1-2. Et bien contré par Adams. Vieira qui dégage loin devant. Henri pour Bergkamp. Parlor. Ça va en touche. Une touche. Non, ils ont et pas le temps de jouer. Fin de cette rencontre. Buenos Aires gagne ce match incroyablement serré. Gérard, c'est une belle victoire. Enfin, une victoire importante, du moins. Pas spécialement belle, mais importante. Et 52 points, ça me permet d'acheter mon prochain joueur. Et la Juve a perdu. Ça m'arrange. D'ailleurs, contre qui ils ont perdu la Juve à chaque fois? Contre Parme. Contre Monaco. Et contre Lazio. Et moi, j'ai perdu contre... J'ai perdu contre la Juve. Contre Lazio. J'ai fait nul contre Monaco. Et puis c'est tout. Et un nul contre Manchester. Je vais acheter tout de suite mon nouveau joueur. Rivaldo comme milieu gauche avec Zenden qui est... Donc c'est Oswald qui va sortir. Ouais, 18 c'est bien pour Rivaldo. On va regarder vite fait le classement des buteurs. Albert qui est devant avec 18 buts. Et Totti qui est meilleur passeur avec 8 passes décisives. Et les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment désolé pour la petite coupure. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. A bientôt, ciao !